Salut à tous et bienvenue sur Vision High Tech. Aujourd'hui, par rapport donc à Noël et comme nous avons déjà dépassé les 33 400 abonnés, je voulais donc vous faire un petit cadeau. J'avais fait une vidéo sur la Smartwatch. Une montre qui tourne sous Android 6.0. C'est une montre téléphone. Alors côté accessibilité, il va falloir que vous fassiez le nécessaire pour la rendre accessible. Sinon, c'est une montre totalement classique. Sur le côté, on a des boutons de marche arrêt. Et ici, on a deux petites vis pour retirer un petit tiroir et mettre une carte SIM. Cette montre est la DM 98, une montre très sympathique. À l'intérieur, tous les accessoires nécessaires pour la faire fonctionner. Et donc, cette montre, j'ai décidé de vous l'offrir. Alors, pour gagner cette montre, automatiquement, il va falloir que vous soyez abonné à Vision High Tech, que vous ayez liké cette vidéo et surtout que vous ayez mis un commentaire sous la section commentaires de cette vidéo. Juste après Noël, je ferai le tri dans tous les commentaires. J'en choisirai un au hasard. Je contacterai la personne et je lui enverrai cette jolie montre après Noël pour vous remercier de votre fidélité. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Montrez-moi ça dans la barre des likes. Commentez surtout cette vidéo. Puisque c'est les commentaires qui, feront, qui vous feront gagner cette montre. Merci à vous et je vous dis donc à tout de suite dans la suite de la vidéo puisque regardez tout le descriptif et dans la suite merci à vous et à bientôt et surtout passez de très bonnes fêtes de Noël de très bonnes fêtes de fin d'année merci à vous de suivre Vision Hightech c'est parti donc pour la suite de la vidéo Restez bien jusqu'à la fin de ce déballage et de ce test de cette smartwatch. Une smartwatch, la DM 2018. La DM 2018, donc une smartwatch qui va tourner sous Android 6.0. Une smartwatch qui va vous donner la possibilité de téléphoner en 4G. On va faire ensemble l'upboxing de cette montre qui est vraiment très sympathique. On arrive donc sur une boîte qui est de très bonne facture et on a une montre qui est très jolie côté design, une montre très sympathique. Elle est munie donc de deux boutons. On va voir ensuite pour les specs, elle a un écran LCD. La voici donc une fois sortie de son écrin. Elle est pas très épaisse. Elle est 4G. On a donc la possibilité d'avoir deux petites vis. Et d'ailleurs, au niveau des vis, on a donc le petit tournevis cruciforme livré avec pour justement enlever les deux petites vis et insérer la carte SIM. Voilà, donc on va voir ensemble tous les specs de cette DM 2018. Je vous mettrai dans la description tous les liens. On va la démarrer. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette DM 18. Merci de vous abonner à la chaîne et à tout de suite pour la suite. De la vidéo. Alors cette DM 2018, que peut-elle nous apporter Donc c'est une montre qui, comme je vous disais, tourne en 4G. Possibilité donc de lui insérer une carte SIM. On va la mettre sur notre poignet. J'ai pas vraiment un très gros poignet. Donc voilà ce que ça peut donner en termes de design sur un poignet. Donc sur le côté droit, on a dit on a deux boutons. Le premier bouton en bas à droite. Et le bouton marche arrêt, le bouton homme et le bouton tout en haut à droite et le bouton retour arrière. Côté gauche, sur le côté gauche, on a donc le haut-parleur qui est là aussi de très bonne facture. Vous allez être surpris par la qualité de lhaut parleur Les deux vis qui permettent d'avoir accès au tiroir de la carte SIM et de pouvoir donc passer des appels en 4G. L'allumage se fait tout simplement. On appuie sur le bouton côté droit en bas. On attend quelques secondes. Et voilà donc l'allumage qui s'effectue. Alors, c'est une montre qui va faire podomètre, pulsation cardiaque, GPS. On a accès au Wi-Fi, au Bluetooth, au Play Store. Donc, possibilité de télécharger des applications. C'est une montre qui possède 16 Go de mémoire interne, ce qui n'est pas vraiment négligeable. Je vous mets en très gros sur votre écran lorsque la montre est lancée. On a différentes possibilités sur cette montre. On peut changer le launcher étant donné qu'on est sur de l'Android. Vous pouvez donc mettre le launcher que vous avez envie. Si on fait un balayage vers la droite, on a ici toutes les possibilités au niveau du sport. La marche, la course à pied, le vélo. On a vraiment toutes les possibilités par rapport à la pulsation cardiaque. Sous un système de cercle. C'est vraiment très sympa côté design et les graphismes sont vraiment très jolis. Lorsque vous voulez changer de design au niveau de l'écran d'accueil, vous faites un appui long sur votre écran et vous avez différentes possibilités d'écran. Et d'ailleurs, on peut remarquer que certains écrans font ressembler un peu au système de l'Apple Watch. On a certains écrans qui sont un peu copiés sur l'Apple Watch. Si vous partez donc sur la gauche, on va avoir accès aux différentes applications installées sur notre Watch. On voit ici. Au niveau des paramètres, possibilité donc comme je vous disais d'avoir le Wi-Fi, le Bluetooth, de la connecter à un casque Bluetooth. Vous pouvez donc installer votre compte Google pour avoir accès au Play Store. Je vous disais donc sur le côté droit, si on veut faire un retour en arrière, on appuie sur le bouton en haut à droite et on revient en arrière. C'est une montre vraiment très sympathique en termes de design. On peut avoir accès aux différents pas que l'on a fait dans la journée par le biais de superbes graphismes. C'est vrai que... Cette montre est très complète. On peut avoir donc les pulsations cardiaques ici comme on voit. Au sujet de la recharge, on est sur un câble propriétaire. En mettant dessous, c'est aimanté. Dessous, vous positionnez votre câble et ça va se brancher tout de suite tout seul. On voit ici dessous le capteur des pulsations cardiaques. Vous allez vraiment apprécier Android sur votre poignet. Donc on peut lancer un chronomètre, avoir accès à différentes fonctions pour la santé, une possibilité de lancer la caméra avant pour justement faire du par Skype et pouvoir discuter en Fast Time à partir de Skype. On a aussi donc la zone de notification pour activer, désactiver le Bluetooth à la volée. Vraiment c'est une montre très très complète. On a aussi accès au Play Store, donc possibilité d'installer les applications du Play Store pour justement améliorer votre montre avec différentes applications. Et le clavier donc vibre lorsqu'on va écrire dessus. Accès vraiment à toutes les possibilités du Play Store. Étant donné qu'on peut faire de la vidéo, on pourra aussi prendre des photos puisque la caméra est en façade, donc des possibilités, prendre rapidement une photo, ça peut être très sympathique. Voilà, donc un des gros atouts de cette montre est de passer des appels en toute autonomie, on a donc téléphone, SMS, contact, si on part sur le téléphone, on a donc le clavier ici qui apparaît, et on peut donc lancer des appels. Voilà pour cette DM 2018, donc une montre très sympathique qui tourne sous Android 6.0. Elle fait donc téléphone, caméra, vidéo, vraiment un très bon produit. En termes d'autonomie, j'ai eu une, une bonne journée avec sans problème, en écoutant de la musique, en passant quelques coups de fil. Une petite montre très sympathique, avec de très bonnes fonctionnalités. Vous allez voir que j'ai réussi à la rendre accessible. J'ai changé le launcher, j'ai fait différentes manipulations, ça n'a pas été du tout évident, mais vous allez voir, vous allez être surpris de ce que peut faire la montre. Pour la rendre accessible, ça n'a vraiment pas été une mince affaire. Il a fallu donc changer le launcher, changer différentes choses pour ensuite avoir cette accessibilité. Mais aujourd'hui, cette montre sous Android 6.0 est capable aujourd'hui de rendre les différents éléments avec Tallback. Les stores, Recherche vocale. Google. Quelle heure est-il? Appuyez deux fois pour activer. Il est 17h36. À rechercher. Alors, on a une possibilité d'avoir le Google Home. Amazon Alexa. Possibilité d'avoir Alexa. Écoutez Johnny Hallyday. Lecture aléatoire des titres par Johnny Hallyday sur Amazon Music. Parcourir vos mises à jour quotidiennes. Parcourir vos mises à jour quotidiennes. Essayez vos fonctionnalités Alexa préférées et découvrez comment Alexa peut vous aider à gérer votre journée. Voilà donc, après l'installation de ce launcher, je vais donc faire une démonstration complète de ce que peut faire la montre avec Tolbach. Je vous ferai donc un test complet avec Tolbach sur cette montre. Et d'ailleurs, pour la semaine prochaine, en parlant de montres, je vous réserve une énorme surprise sur Autonomics Marseille. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Pour celle-ci, je vous ferai donc une vidéo dans les prochains jours qui vous montrera toutes les possibilités avec Tolbach. Alors, comme je vous disais, c'est une montre qui n'était pas du tout accessible et que j'ai rendu accessible avec beaucoup de patience. Voilà donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette DM 2018, de partager cette vidéo, de liker et comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. À bientôt donc pour une prochaine vidéo. Salut à tous.